c'était là, non? Non, c'était pas là. Là, c'est l'autre taré. Ah, voilà, c'est là. Ah, c'est toi, le connard. Ok. Mais vous êtes le commandant Shepard? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Salut, Hercule. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui. J'ai appris que vos services avaient refusé à un certain Samesh Bhatia de récupérer le corps de sa femme. Ah oui, monsieur Bhatia, oui. Bon, je comprends parfaitement sa frustration et j'aimerais pouvoir l'aider. Monsieur Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Vous pensez que son corps est dangereux ou contaminé? Non, commandant. Nirali Bhatia ne représente aucun danger. Bien au contraire, son corps est extrêmement précieux pour l'Alliance. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des Geth. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Combien de temps ces recherches vont durer? Oh, vous savez, c'est une étude à long terme. Je ne pense pas que les corps soient restitués avant un an, voire plus. Oh putain. Vous devez avoir pas mal de corps. Un de plus ou de moins, ça ne change rien pour vous. Il y avait très peu de corps présentant ce type de blessure, et encore moins en assez bonnes conditions pour être étudiés. De plus, commandant, nous avons besoin d'autant de corps que possible afin de disposer d'un échantillon représentatif. Quand est-ce que ces recherches vont déboucher sur une nouvelle technologie? Avec un peu de chance, nous devrions obtenir des résultats concrets d'ici quelques années. Je vais avertir Samesh. La prochaine fois que vous disséquez un soldat, vous pourriez avoir la décence de prévenir son conjoint. Croyez bien que tout ceci n'est qu'un champ de guerre, commandant. Mais si vous pensez que c'est pour le mieux, dites la vérité à Monsieur Bhatia. Peut-être qu'il comprendra. Si vous avez peut-être dû questions, le faire dès le départ, en fait. Tu vois? Ça aurait évité ce genre de problème. Me faire déplacer pour rien, je suis pas un messager, je suis un héros de guerre. Commandant, vous avez parlé à Monsieur Bosker. Est-ce qu'il accepte que je récupère le corps de mon épouse? Ce n'est pas aussi simple que je pensais. L'armée a besoin du corps de votre femme pour mener des tests très importants. Des tests? Il garde le corps de ma femme pour faire des tests. Mon épouse a servi l'Alliance avec dévouement. Elle a donné sa vie pour l'humanité et c'est comme ça qu'on la remercie. Ah mais... Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon petit bonhomme? Vous avez raison, c'est inacceptable. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup. Tenez-moi au courant. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Le commandant Shepard, héros de la galaxie, pourriez-vous transmettre cette lettre à mon voisin? Oui, exactement. Il pourrait pas, genre, bouger son cul et venir jusque-là, quoi. Ah, vous revoilà, commandant. Je peux vous aider? Vous n'avez aucun droit légal de conserver ce corps. Je doute que vous souhaitiez que toute cette histoire soit rendue publique. L'armée a déjà choisi. Apparemment, la perspective d'obtenir une nouvelle technologie vaut la peine de risquer la colère de personnes comme Monsieur Bhatia. L'étude du corps de Nirali Bhatia pourrait sauver la vie de nombreux soldats. Je ne peux pas le restituer. Merci de votre aide. On peut se battre. On s'emmerde un peu là quand même. On m'avait dit qu'il se passait plein de trucs dans ce jeu. Commandant, vous avez parlé à Monsieur Bosker. Est-ce qu'il accepte que je récupère le corps de mon épouse? Ils font des analyses médicales et des tests sur le corps de Nirali. C'est pour ça qu'ils refusent de vous restituer le corps. Je sais, vous me l'avez déjà dit, mais je n'en ai rien à foutre, moi, de ce que l'armée lui veut. Ma femme a fini son service en donnant sa vie sur Eden Prime. Maintenant, elle doit rentrer chez elle. Je ne vais pas m'opposer à la volonté de l'armée, Monsieur Bhatia. Désolé.
Nirali me disait toujours que les militaires se serraient les coudes. Apparemment, elle avait tort. Mais j'ai pas le choix, tu veux que je fasse quoi ? Sa vie pour l'armée, ça j'en étais conscient. Mais son corps... Bon. Avec tout ça, je sais plus ce que je devais faire. Ah, j'ai pas le droit de viser. Dommage. Je vous aurais bien fait un gros plan sur les files, mais enfin. Allez, à demain. Chez les Cariens, les danseuses ont un statut social très enviable. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas de ces femmes. T'es sûr ? Elles ont l'air quand même tranquilles. Désolée, je reviens dès que possible. Ah d'accord. J'ai des trucs à faire ici, mais pas avec vous. Eh oh, oh, oh. T'es sérieux là ? Je suis... L'armée de l'Alliance, hein ? Je suis Popito Banana Shepard, ok ? Ok, j'ai bégayé sur mon nom, ça fait pas très classe. Commandant ? Que voulez-vous ? Je viens de la part de Shaira. Vos mensonges lui font du tort. Tant mieux. Moi, elle m'a tué, vous entendez ? Elle m'a tué. J'ai vu pas mal d'horreurs dans ma vie. Et dans toute la galaxie, il n'y a qu'une femme qui arrive à me les faire oublier. C'est ça, le grand général Turien. On se demande comment vous avez pu nous battre. Je suis peut-être bourré, Krogan, mais toi t'as pas une gueule de porte-bonheur, et moi demain j'aurai cuvé. Alors à moins que vous ayez une solution miracle pour moi, dégagez. Ce n'est pas un exemple pour vos troupes. Qu'elles aillent se faire voir, les troupes. Ce que je voulais, moi, c'était arrêter de travailler pour vivre avec elles. Écoutez, c'est gentil d'essayer, mais vous perdez votre temps. Il faut agir en général si vous voulez vous en sortir. J'ai agi en général toute ma vie. Vous voyez où ça mène ? Non, c'est terminé. Je tombe le masque. Je suis un soldat fatigué, seul et usé. Vous êtes général. Arrêtez de chialer. Ah ! Vous avez du cran, vous. Les gens qui me parlent comme ça, je les compte sur les doigts de la main. Vous croyez que c'est aussi facile ? Qu'il suffit de bomber le torse et de faire le général ? C'est mieux que de rester posé sur votre cul toute la journée. Vous avez peut-être raison, commandant. Shaira en vaut bien la peine, même si elle ne me laisse pas revenir. Ce n'est pas un endroit convenable pour quelqu'un comme vous, général. D'accord. Après avoir pris une bonne douche froide, ou deux, vous avez l'air plutôt futé, dites-donc. Ça vous dirait de vous faire quelques crédits ? Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a un diplomate Elcor qui pense que Shaira a divulgué ses secrets. Qu'est-ce qui lui fait dire ça ? C'est moi qui le lui ai dit. Écoutez, je voudrais juste que vous parveniez à le convaincre du contraire. Et pourquoi il me croirait, moi ? Parce que vous allez lui apporter la preuve. Tenez, prenez ce datapad. Il indique où j'ai eu mes infos. Ça permettra de disculper Shaira et de convaincre l'Elcor. Ok. Je le donne à qui ? Et je le trouve où ? Un diplomate Elcor nommé Xeltan. Il est aux ambassades, en train de vider son sac sur Shaira. Ok. Ben, voilà un soldat. Ah, mais je l'ai vu déjà. Ouais. C'est le premier... Merci, commandant. Le premier dauphin poney qu'on a vu. Vous pourriez faire un bon général un jour. Pas de souce, ça me va. Je veux bien être un général.
maintenant, je suis occupé. Dis, tu vas danser plus tard? Quel sourire. Le sourire, c'est pas derrière. Tel que la danse pour me détendre après une dure journée. Pas maintenant, je suis occupé. T'as beaucoup parlé pour quelqu'un qui voulait pas parler. Partez. Laissez-moi boire en paix. Partez. Laissez-moi boire en paix. Alors, cette fois, il y a quoi ici? Ils sont où tous les cadavres? Y'a rien. Est-ce qu'on pourrait pas... Qu'est-ce que... Quoi? Je peux pas voir... Ça, c'est le codex. J'essaie de retrouver mes aptitudes, là. Où est-ce que je les monte? Là. Alors... Et le reste? Tali, elle a pas de points. Ok, il nous reste quoi à faire du coup? Parler à Shaira. Ok. Ok, j'ai couru dans un mur. Alors les bugs de collision, c'est bien gentil, mais... salut... On est où? Je sais pas. Sans doute pas là que je voulais aller. Les biscuits... Vous parlez de biscuits, ça me donne faim. C'était il y a longtemps. Je m'en souviens à peine. Qu'est-ce qui vous a ramené à la citadelle auprès de la Fabri? Je ne sais pas exactement. C'est étrange, mais je me suis sentie appelée. Il n'y a rien d'étrange là-dedans. Beaucoup d'entre nous ont entendu le même appel. Mais vous êtes la première de votre espèce à y répondre. Ah oui? Je n'avais pas vu d'autres humaines ici. Mais j'ai préféré ne pas poser la question. Vous êtes sans doute la première d'une longue série. Maintenant que votre espèce prend son essor, ce n'est qu'une question de temps. Ok. Allons voir. Ma favorite. Ouh, je te souffle derrière l'oreille. Ah, Commandant, je viens de recevoir un charmant message de Septimus. Merci de lui avoir parlé. Je t'en prie. Ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. C'est bien aimable à vous, commandant. Mais je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez par pure bonté d'âme. J'ai encore autre chose à vous donner, si ça vous intéresse. Bien sûr. Avec grand plaisir. Je vous propose de lire en vous.
de vous révéler ce que vous êtes et ce que vous deviendrez. Je vous vois. Votre uniforme vous va comme si vous étiez née avec. Vous êtes une guerrière du plus profond de votre âme, fière, solitaire. Mais c'est dans cette solitude que vous puisez votre force. Cette force vous a permis de vivre tandis que la mort s'emparait de tous vos congénères. Vous seule avez survécu et vous survivrez encore. Telle est votre essence actuelle. Mais ce ne sont que les fondations de votre future grandeur. Souvenez-vous de ces paroles lorsque vous douterez de vous, commandant. En gros, la meuf, elle vient de me dire que je suis comme je suis. Merci. C'est un véritable don que vous avez, Shaira. Merci. Il en est qui ne l'apprécie guère. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots, commandant. À présent, je dois vous demander de partir. Shaira Magical Girl. Pour vous. Souvenez-vous de mes paroles, commandant Shepard. Elles vous donneront de la force. Ok. Chaque fois, elle me tourne le dos, elle me stresse. Tendu. Salutations humaines. Le moment est mal choisi. Je sais qui a révélé votre secret. Un Turien nommé Septimus. Incrédule. Je connais ce Septimus, et il n'a pas pu apprendre mon secret. La seule personne qui aurait pu l'informer, c'est la favorite. Vous vous trompez. Jetez un œil là-dessus si vous ne nous croyez pas. Troublé. Je ne comprends pas. Si le Turien l'a appris par lui-même. Consterné. N'importe qui peut découvrir mon secret. Septimus est un homme puissant et pourtant il a eu du mal. Soulagé. Vous avez probablement raison, humaine. Merci pour cette information. Prise de conscience. Je dois d'ailleurs aller parler en personne à la favorite. Elle est certainement très mécontente de ce que j'ai fait. Anxieux. Veuillez m'excuser, humaine. Je dois partir immédiatement. Je suis sûre qu'elle vous pardonnera. C'était une erreur compréhensible. Incertain. Vous avez peut-être raison, humaine. En tout cas, je l'espère. Reconnaissant. Vous m'avez rendu un fier service, commandant. Approbateur. Vous voyez, Dean, tous les humains ne sont pas comme vous dites. Je suis sûr que l'être humain a quelque chose à gagner dans tout cela. Ouais. Le pouvoir de persuasion. N'écoutez pas mon... Je suis déjà parti. Calme-toi. Bon, on a quoi d'autre à faire, c'est tout? Reporter, et puis... Je sais pas où elle est, le problème du reporter, c'est que je veux bien la faire, sa quête, mais je sais pas où elle est. À chaque fois, je me bouffe la mauvaise porte. Quelqu'un sait où se trouve la reporter, là? Elle est pas dans le bar, justement. Oui, on est d'accord que l'exploration des planètes avec le quad, c'est le pire. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici, c'est pas ici, je sais pas où elle est. J'ai pas envie de la chercher pendant 3 jours. On va retourner au vaisseau et puis ça ira bien. Non. Au-dessus des halles. Qu'est-ce que t'appelles les halles? Mais ouvre cette putain de porte! Près de la boîte.